tous ensemble signifie et réalise une chose très simple et très forte. Pour gagner la paix, nous chrétiens, nous avons mission de joindre aux armes de fer les armes de lumière. Gagner la paix, c'est en effet la raison d'être de toutes nos luttes. Nos luttes guerrières, militaires, nos luttes sociales, économiques, politiques, nos luttes spirituelles, tout ce qu'on veut, gagner la paix. On ne gagne jamais la guerre au sens où la guerre, en tout cas dans l'esprit de la pensée catholique, est toujours quelque chose d'effroyable. L'homme mandaté par une force de sécurité, parce qu'il est policier par exemple, ou bien lorsqu'il est militaire par une nation, pour faire usage des armes et donc utiliser avec toute la maîtrise qu'il faut, mais des armes de fer, comment doit-il se comporter? Nous sommes là dans un rapport extrêmement difficile, extrêmement complexe, sur lequel l'Église a beaucoup réfléchi. C'est la question du rapport entre l'ordre à exécuter et la conscience personnelle de chacun. PMI, ça représente vraiment le moment pour nous du grand rassemblement du diocèse aux armées. C'est le seul endroit où le diocèse aux armées, qui est l'église du Seigneur, qui est à l'intérieur du monde militaire, dans ses particularités, se retrouve presque dans son ensemble. Il y a une association de policiers chrétiens qui a souhaité se joindre à nous pour se sentir moins seul et puis aussi parce qu'on est tous animés par le même idéal, qui est un idéal de service, un idéal au service de la société, de la République. Les policiers aussi vivent des choses qui sont extrêmement dures, et donc c'est assez naturel qu'à un moment ou à l'autre, on se retrouve, surtout quand on est pétri des mêmes valeurs, qui sont les valeurs de la foi. Police humanisme, c'est né en 1963, hein, au moment pleine guerre d'Algérie, difficultés. Et un écrivain, Gilbert Cesbron, qui écrit un jour que on ne peut pas être policier et chrétien. Et donc, quelques policiers se sont retrouvés à Saint-Germain-des-Prés avec un prêtre de la Mission de France, André Jans, qu'il connaissait par ailleurs, pour discuter avec lui et dire, bon, voilà, et nous, comme policiers, comment on peut vivre notre foi chrétienne? En période de crise, comme pendant la guerre d'Algérie, avec ce que nous avons connu, dans un état, disons, de fait, qui nous obligeait, disons, politiquement, à sévir sur une population civile. Donc, quid des méthodes? Alors, il y avait des gens qui n'étaient pas trop délicats, du style pas bon. Oui, non, c'était quand même le préfet de police de l'époque. Et il y avait des gens un peu plus sensibles à des valeurs spirituelles et républicaines, disons plus consistantes, qu'on criait au secours. Alors les républicains se sont réfugiés dans leurs idéaux et ont essayé de résister à cette pression également. Les chrétiens, bon, sont allés voir l'Église. Nous nous sommes présentés aux prêtres en leur disant « Attention, on nous oblige à faire des choses pour le moins délicates, je suis pudique. Spirituellement, nous vous disons « Au secours !» Que faire ?»
Nous devons respecter l'autorité, on doit respecter notre foi. Il y a plus qu'un tiraillement, que faire ? Nous pensons qu'il est important pour des policiers chrétiens de se retrouver et de partager leur foi ensemble et partager aussi leurs difficultés professionnelles ensemble à la lumière de l'Évangile. Je pense que l'Évangile est une force pour un policier. Et comme tous les membres de Police Humanisme, nous pensons que l'Évangile n'est pas un handicap pour nous, mais au contraire est quelque chose qui nous aide à faire notre travail et qui nous aide à surmonter nos difficultés quotidiennes. Donc je pense que c'est effectivement quelque chose d'important. Tous les policiers sont respectueux de l'autre et sont respectueux des droits des mis en cause. Malgré tout, le chrétien, le membre de Police Humanisme, pense que dans le regard de l'autre, quel qu'il soit, victime ou mise en cause, on a le regard du Christ. Cette vision-là, effectivement, donne un peu plus de respect vis-à-vis de l'autre. Alors moi, j'ai naturellement le plus profond respect pour les gens qui pratiquent une foi, quelle qu'elle soit d'ailleurs, puisque généralement la spiritualité permet de s'élever corps et âme, et c'est une bonne chose. Comme directeur général de la police nationale, j'ai évidemment une position qui est beaucoup plus en retrait. La police française est une police républicaine, démocratique, et dans le cadre de la République française est une république laïque. Donc ce qui est important pour nous, c'est le respect de toutes les consciences, mais quelqu'un qui s'adresse à un policier s'adresse à un policier. Il n'a pas à savoir si ce policier est... catholique, juif, franc-maçon, ou est-ce que je sais ? C'est un policier. Bon. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des policiers qui soient le mieux recrutés, le mieux formés possible, parce que c'est vrai que nous essayons de véhiculer des valeurs, et notamment nous essayons au niveau de la formation chez nos jeunes policiers de créer des réflexes qui sont des réflexes qui ne sont pas du tout des réflexes religieux, bien sûr, mais des réflexes humanistes. Il est certain que le vocable humanisme fait qu'on essaye toujours de rencontrer des personnes, des collègues essentiellement, bien sûr, qui elles aussi sont attachées à des valeurs humanistes et on les partage, qu'on soit chrétien, musulman, athée, etc. Bon, je ne crois pas que le christianisme puisse revendiquer une sorte de monopole de l'humanisme. Simplement, je pense que le Christ a apporté à cette valeur humaine un prix qui est devenu quelque chose d'insurpassable. Et donc, de ce point de vue, je ne sais pas qu'on peut donner des leçons aux autres, mais en tout cas, on s'est créé, en étant chrétien, un devoir de poursuivre dans cette voie-là. Et sans être chrétien, sans être israélite, sans être mahométan ou confucius, ou enfin tout ce que vous voulez, il y a des gens qui sont capables de raisonner sainement et de respecter les gens. Moi, je les aime beaucoup, ces gens-là. Il y en a un, il m'a dit un jour, « Toi, j'aime bien ta réflexion, mais il dit, t'as de la chance. Parce que tu crois en quelque chose, moi, il dit, je crois qu'en l'homme. » Je dis, ben, si tu crois en l'homme, je dis, c'est déjà quelque chose de formidable. Hein. Oui. Je dis, bon, moi j'ai la foi, mais je ne vais pas faire du prosélytisme. Si toi, tu ne ressens rien, tu ressens que ce que tu peux vivre avec les autres, je dis, mais c'est formidable. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et des gens qui ne se disent pas chrétiens, mais qui le sont encore peut-être plus que nous. Parce qu'ils agissent de façon tellement claire et tellement juste et tellement noble que je me dis, et heureusement, il y en a comme ça. Et là, on a les questions.
Que des policiers, en dehors de leur service, souhaitent vivre leur foi à partir du moment où ça n'interfère pas dans le métier, que se posent des questions par rapport à leur vie, par rapport à leur foi sur leur métier, ça ne me pose aucun problème. Et même, je trouve que c'est assez sain que les policiers, sous quelque forme que ce soit, puissent réfléchir un petit peu à leur métier. C'est un métier d'action, un métier qu'il faut vivre et vivre pleinement, mais c'est jamais inutile de savoir pourquoi on le fait et comment on le fait. Et puis de se poser la question, est-ce qu'on pourrait pas le faire mieux ? Si certains courants donnent une idée, si nous donnons une idée voisine, parallèle ou complémentaire, on vient en complément sans se contredire. C'est bon, je veux dire, l'administration voit qu'elle a tout bénéfice à rafler la mise de tout ce qui a été, tout ce qui a été proposé. Nous, on avait travaillé à Police Humanisme dans les années 80. On avait travaillé sur le suicide dans la police. On avait travaillé sur l'alcoolisme. On avait travaillé sur la peur. C'était des sujets intéressants. On en a sorti des analyses qu'on a transmises. Et si un jour, les autorités ont dit, tiens, peut-être il faudrait que les policiers soient suivis par des psychologues dans certaines situations. Vous savez, nous, je ne dirais pas que c'est grâce à nous, mais nous avons enfoncé un peu le clou. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui réagissent, que ce soit au niveau syndical dans la police, au niveau politique, au niveau courant de pensée philosophique, religieux. Voilà, il y a quand même des choses qui balayent la police et qui font que, je pense, ça régule aussi les choses, quoi. J'aurais aimé que la police ne se contente pas d'interpeller les gens, qu'il y ait aussi peut-être un message pour essayer de... Parce que moi, cette société, elle me perturbe, parce que quand quelqu'un fait une connerie, pour moi, une société, ça doit être comme une famille. Moi, quand j'ai un gosse qui fait une connerie, je le sanctionne, derrière je lui montre tout l'amour que j'ai pour lui, et ensuite j'essaye de faire en sorte qu'il ne recommence pas en lui donnant les bons conseils, les bonnes choses. La société, elle n'a rien à foutre, elle interpelle des gens, elle les humilie, elle leur montre qu'elle n'a aucun amour pour eux, qu'elle veut s'en débarrasser. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle les met au banc de la société. En les mettant au banc de la société, elle crée des bandes de gens qui ne voudront jamais ressembler à cette société, parce qu'elle ne respecte rien. C'est souvent des gens qui sont issus de souffrances, qui sont dans la délinquance. Moi, j'ai passé une partie de ma préadolescence et adolescence dans les cités défavorisées de Marseille. Ben, je suis désolé, j'étais un voyou. Hein. De 13 ans, de 12 ans, de 11 ans, mais j'ai été un voyou. Parce que, pas parce que je suis un voyou dans l'âme, parce que j'ai été confronté à des situations, à des choses que certainement à mon âge il me paraissait injuste, tout ce pognon que je voyais d'un côté, toute cette misère à laquelle j'étais confronté. Voilà, ça m'a. Si j'avais pas rencontré les bonnes personnes au bon moment, et j'aurais certainement été du mauvais côté de la barrière. Donc on n'a pas le droit de laisser le hasard s'occuper de ça. Il faut que la société elle prenne ça en main. Les discours des hommes politiques qui font croire. Qu'une certaine catégorie de citoyens sont des sous-races, sont des sous-hommes, sont des racailles, sont des... Voilà. Tant qu'on a des gens avec une telle notoriété, avec une assise, avec une image propre, diront ces choses-là, il y aura toujours une majorité pour dire que quand même, il y a au moins un fond de vérité là-dedans. Donc, tant qu'on stigmatisera des couches de population, on voudra les mater. Et quand on mate, je suis désolé, l'humanisme, il n'y en a pas. Il ne faut pas traiter la personne comme si elle était déjà un délinquant notoire. Vous pouvez prononcer le mot que quand vous avez les preuves matérielles et morales de l'affaire pour dire « vous êtes un délinquant ». Mais tant que vous n'avez pas établi ces preuves-là, la personne, vous devez la respecter. Même quand la preuve est faite, vous devez la respecter. J'ai envie d'aller aux toilettes, monsieur. On l'accompagne aux toilettes, parce qu'on accompagne toujours. On surveille la personne de peur qu'elle l'attende à ses jours. Vous savez que dans les postes de police, combien j'ai vu de personnes faire des tentatives de suicide.
un cas concret, hein, une collègue qui était en stage, qui a vu le cas, c'est une collègue de travail qui travaille dans le bureau à côté de moi, ils sont allés en perquisition pour une affaire de vol de téléphone portable, ils avaient cherché un téléphone portable, donc une affaire banale qui aurait conduit à aller une amende, grand maximum. Souvent, dans ce genre d'affaires, on a quoi ? Un rappel à la loi devant le délégué du procureur, donc une convocation au tribunal avec un délégué du procureur qui va faire les gros yeux, donc quelque chose de banal. Donc ils ont considéré, au vu de l'affaire, que c'était pas nécessaire de menotter cette personne à son domicile. Donc ils ont effectué la perquisition, et cette personne, peut-être apeurée, qui n'avait pas l'habitude, qui a cru que son destin allait renverser, bah, elle a ouvert la fenêtre, elle est passée par la fenêtre, elle s'est suicidée. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, les fonctionnaires de police sont sanctionnés. Ah bah, il peut prendre un blâme, et donc pendant 3 ans, il est bloqué au même salaire, il ne peut pas plus passer de grade. Enfin, sa carrière reste stagnante pendant plusieurs années. Et puis après, il y a la sanction psychologique aussi. Hein. Le code de déontologie, même le code de procédure pénale, définit les conditions du menottage. Une personne qui présente un caractère dangereux ou au vu des risques de fuite, dans ces deux conditions, on menotte. Ça, c'est le code de procédure pénale. Donc logiquement, le menottage, c'est l'exception. Et c'est devenu un petit peu... C'est devenu, effectivement, systématique. La police, c'est une arme politique. Chaque élection, la police, est une, c'est les problèmes de sécurité, c'est les machins. Il faut qu'on puisse en faire ce qu'on en veut. À partir du moment où on arrive à obliger quelqu'un à mettre un de ses frères en garde à vue, privation de liberté dans des conditions telles qu'elles sont dénoncées par tous les observatoires, qui existent, c'est qu'on est capable de tout. On va devenir les bons petits soldats bien robotisés qui vont faire tout ce qu'on leur dira. Il faut savoir quand même qu'on pratique la garde à vue, ce qu'on appelle nous la garde à vue éclair, hein, qui va durer 1 heure, 2 heures. Pourquoi ? Parce que depuis la loi Guigou, toute personne qui est retenue dans un commissariat doit bénéficier d'un avocat dès la première heure, d'un avis famille immédiat, d'un avis au procureur immédiat, etc. Et que si cette personne, on la retient en dehors d'un cadre légal, ça nous aide à reprocher. Donc, si on a besoin de faire une audition qui va prendre un peu de temps, on va le placer en garde à vue, ça fait de la paperasse. On va l'entendre, à l'issue, on fait un avis parquet, ça prend 1 heure, 2 heures. Il n'y aurait pas eu de garde à vue, ça se passait de la même manière. Mais, voilà, on fait une garde à vue. Et puis, il faut bien reconnaître que l'efficacité d'un service de police est aussi évaluée par rapport au nombre de gardes à vue. On s'est retrouvé avec un peu la politique du chiffre en disant... il faut maintenant que les policiers matérialisent leur travail par une comptabilité, par des statistiques. Et il faut qu'on soit capable de dire, nous, voilà notre production de travail, un peu comme dans le privé. Ce qui est, à mon avis, une chose stupide. Moi, j'ai eu à faire des statistiques. On m'a demandé de faire des statistiques sur la délinquance de nuit. J'avais compté, moi, normalement, en fonction des chiffres que j'avais. On m'a immédiatement retiré le dossier parce que j'ai refusé de mentir. Bon, je ne dirais pas dans quel commissariat c'était. C'est passé, il y a prescription. Mais il n'empêche que là, je sentais que la hiérarchie rentrait dans un jeu de faire plaisir à celui qui est au-dessus pour que ça arrive au ministre et que le ministre dise au président de la République, Madame la Marquise, tout va bien. Je pense qu'il est important que nous sachions, la hiérarchie d'une façon générale, mais également les politiques, également les journalistes, également ce que fait la police. La police, c'est pas une activité privée, c'est une activité publique. Les policiers sont payés avec les impôts des Français. Et donc, il me paraît tout à fait normal qu'on puisse savoir ce que font les policiers. Voilà. Moi, ça ne me choque pas qu'on essaye d'être efficace. Alors, un certain nombre de personnes disent « Ah, c'est la politique du chiffre, la politique du rendement ». Moi, je dis juste « C'est la politique de l'efficacité ». C'est-à-dire que ce qu'on demande à un policier, c'est d'être présent dans la rue. On ne lui demande pas d'être en train de boire une bière au poste, on lui demande d'être dehors dans la rue, et on lui demande plutôt d'arrêter les voyous que de ne pas les arrêter. Et on veut juste être capable de savoir ce qu'ils font. Ça me paraît être parfaitement logique, parce que nous devons être en état de rendre des comptes. Le modèle que nous avons maintenant, c'est l'entreprise privée, le gagneur, le tueur, enfin bref. Bon,
Donc, d'une façon indirecte, on retrouve ça dans les administrations et on se retrouve face à une logique, à un vocabulaire dit d'entreprise. Automatiquement, ben ça déteint surtout ceux qui sont obligés d'obéir. Disons que la culture du résultat et une vision, disons, chiffrée, peut inquiéter pas mal de collègues et peut à la fois les braquer, les décourager et, pour ceux qui se soumettent à cette règle, les déshumaniser. C'est le risque. On va de plus en plus vers des missions pour le policier, quel qu'il soit, quel que soit son niveau hiérarchique, pour des missions plus répressives. Malgré tout, et quand même, il y a quelque chose qui est très important et qui est réaffirmé en permanence par toute la chaîne hiérarchique de la police. Chaque policier a son propre discernement. Et chaque policier doit faire preuve de discernement en permanence pour verbaliser ou ne pas verbaliser, pour réprimer ou ne pas réprimer. Alors, ce qu'on appelle ça la théorie des baïonnettes intelligentes, c'est quand un ordre est manifestement illégal, on a même, et ça vaut dans l'armée aussi, la possibilité, même quasiment l'obligation, de ne pas appliquer l'ordre illégal. Maintenant, contester les instructions, on a toujours le policier, il est sur le terrain, il est libre d'appliquer, hein. Il est seul décideur sur le terrain, la hiérarchie n'est pas derrière lui, hein. Donc il agit comme il l'entend, hein. Alors après il applique ou pas les consignes, effectivement quand on parle du chiffre, s'il a envie d'être tranquille, il applique les consignes, et puis s'il a pas peur, il fait comme il veut, quoi. Et c'est vrai qu'on a... Peut-être que les anciens ont plus de facilité à peut-être être moins automates que les jeunes. Un truc qui m'a frappé, j'ai fait beaucoup de recrutement quand j'étais en formation et on faisait passer les oraux. C'est le dernier stade avant d'être intégré dans une école de police. Donc le gars, il passe l'oral. Et ce sont des jeunes qui ont déjà fait des stages, qui ont été peut-être des fois adjoints de sécurité, ou qui sont renseignés quand même, qui savent un petit peu comment fonctionne la police. Et on les met en situation, en disant voilà, vous êtes sur la voie publique, vous êtes déjà gardien de la paix, machin. Il y a votre mère, vous voyez votre mère qui passe. Le feu, il est un peu rouge, un peu jaune, hein, c'est pas trop. Et puis elle va se garer un petit peu plus loin, elle fait une marche arrière, elle se gare pas trop bien. Qu'est-ce que vous faites? Pas question. Bon, je mets un PV pour le feu rouge et je mets un PV pour le stationnement. J'ai l'impression que c'est votre mère. Le dimanche midi, vous allez aller manger chez elle. Elle va être très heureuse de voir que vous l'avez fait perdre 3-4 points sur son permis et tout. Ah, mais ça, je veux pas le savoir. J'ai dit, vous voyez ? Et là, je lui dis, c'est là où votre discernement est complètement à la masse. Parce que c'est, d'accord, elle a commis une petite infraction. Là, le mieux, c'est d'aller lui dire, il ne faut pas recommencer. Parce que la prochaine fois, tu vas pas tomber sur moi, tu vas tomber sur un autre. Mais quand même, il y a des choses qu'on doit apprécier à leur juste réalité. C'est quand même pas, on n'est pas là, on n'est pas des surhommes désincarnés, en disant, voilà, on va voir les choses de façon complètement nette et propre, et machin, et on va appliquer la loi, strictement la loi, rien que la loi. Donc voilà, et là, alors si en plus on dit, plus vous en ferez, plus vous serez bien vu, c'est là où ça va plus. Et moi, je dis que dans ce sens, la police, je ne sais pas si elle évolue dans ce sens-là actuellement. Je ne sais pas si les directives sont telles que les gardiens de la paix sont obligés de le faire. Dans tous les cas, si c'est comme ça, je dis là, c'est une vaste connerie. DN4 ou de la PS Lima 4? Véhicule immatriculé 3816. The green. Green. Le tract le plus long que j'avais écrit, c'était un tract sur les suicides, pour essayer de trouver tous les éléments qui font qu'il arrive un tel mal-être. Psychologiquement, le fait d'être obligé de devenir un complice de la barbarie quelque part, parce que c'est
même si le mot est fort, même si c'est une espèce de barbarie que de prendre quelqu'un qui est pauvre, qui a l'agonie, et de lui mettre un coup de bâton sur la tête, quoi. Parce que le mec, quand il prend 90 euros, s'il gagne 500 euros, franchement, il a du mal à la fin du mois. Là, il n'y arrive plus. Là, c'est la banque qui va lui mettre encore des agios de 150 euros. On sait comment ça se passe, parce que souvent, on vient quand même de milieux modestes dans la police, surtout les gardiens de la paix. Donc, ces gens-là, ils se supportent plus de se regarder dans la glace. Et ça, c'est un élément qui, est, à lui seul, il justifie des fois qu'on ait des idées noires. Tu es payé pour travailler. Ton travail, ça consiste à mettre des PV quelque part. Donc, si tu ne mets pas des PV, tu ne travailles pas. Et là, le raisonnement pour qui n'a pas envie d'aller approfondir, eh ben, il lui semble que quelque part le raisonnement est juste, mais que l'application devient intolérable. Et voilà le conflit qui naît dans l'esprit des policiers. Mais alors que ce n'est pas vrai, le travail du policier, c'est la paix sociale. Dans un cadre, par exemple, policier, lorsque nous avons cette impression d'être au service non plus d'une sécurité, non plus d'un bien commun réel, qui est par exemple l'instauration du calme, de zones justement de sécurité, de la paix. Et si nous avons l'impression d'être utilisés, d'être instrumentalisés par un pouvoir politique, hein, ou local ou national, qui ne va pas dans ce sens, nous sommes renvoyés là, durement, à un débat de conscience, là aussi. Alors, il y a plusieurs solutions possibles. Soit nous estimons que nous ne sommes pas, nous, personnellement, en état de servir, par exemple à titre de policier, donc avec un uniforme, et donc nous ne servons pas nous-mêmes, nous servons la nation, nous sommes aussi une émanation de la nation, donc que nous ne pouvons pas supporter de porter cet uniforme alors que la finalité nous paraît mauvaise, il vaut mieux démissionner. Je crois qu'il faut être très clair, il faut être très honnête, parce que sinon nous jouons un double jeu qui nous sera à terme insupportable pour nous et insupportable pour la société qui nous a mandatés. Si nous estimons que nous pouvons le supporter intérieurement, alors nous pouvons même le comprendre comme étant une mission divine de rester à l'intérieur de la structure pour faire évoluer les choses de l'intérieur. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, toi qui me donnes la force quand je n'ai plus cette force de croire en l'homme et de croire en Dieu, surtout quand, comme policier, vous êtes confronté aux difficultés, vous êtes confronté au péché. Mais cet amour de Dieu, il est dans nos cœurs et nous en sommes les témoins. Nous croyons tous et toutes que Dieu nous aime, que Dieu aime l'humanité, et qu'il propose à ceux qui le veulent cet amour pour changer les cœurs et qu'un jour, ce péché qui, vous le savez, ternit la vie des gens, eh bien qu'un jour ce péché disparaisse de la surface de la terre. Et c'est cette espérance, je crois, comme policier, que vous devez avoir au fond du cœur. Le métier de policier est un métier où on est confronté au mal, où on est confronté à la souffrance, où on est confronté à la douleur de la victime et parfois du mis en cause. Le fait d'être chrétien et le fait de croire en la résurrection, de croire en l'espérance est quelque chose qui aide. En permanence, en permanence. Dès l'instant où on est confronté à la douleur, dès l'instant où on est confronté encore plus à la mort, la prière, l'espérance est une force. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus autour de soi, se concentrent sur eux. Je trouve ça en plus en région parisienne, on est tellement nombreux, mais on se concentre sur soi. Et ça se voit dans le sens où on n'a même pas le réflexe de faire le 17 quand il se passe quelque chose. Le 17, c'est le police secours. S'il se passe une agression, ben, on n'est pas prévenu, nous. Personne ne nous appelle. La victime, une fois qu'elle va se relever, nous appellera. Donc on n'a pas le réflexe de faire le 17, alors encore moins celui d'aider son prochain. Il faut rappeler
que la doctrine sociale de l'Église se prononce, y compris en matière concrète. Et le chrétien, et même au-delà des chrétiens, l'homme qui n'a pas la foi, mais qui est un homme droit, qui voudrait suivre sa conscience, peut trouver dans les textes de la doctrine sociale de l'Église un éclairage puissant pour sa conscience personnelle. Et la doctrine sociale de l'Église condamne, de manière tout à fait égale, des façons de totalitarisme matérialiste, comme on a pu le connaître dans le monde communiste, au-delà du rideau de fer, mais condamne aussi le grand libéralisme capital international. Jean-Paul II a eu des mots aussi durs pour l'un ou pour l'autre, car tomber dans un absolu totalitaire où l'homme est dénié pour des visions abstraites qui n'existeront jamais et qui ne peuvent pas être mises en pratique, est dangereux. Tout aussi dangereux, des visions où l'économique prime sur la valeur de chaque être humain, qui n'est pas d'abord définie en termes de pouvoir d'achat ou de consommation, mais en termes d'équilibre, de lien fraternel, de solidarité, de justice. Je vais même oser un terme, mais qui est profondément humain et profondément chrétien, en termes de bonheur. Et le pouvoir d'achat qui peut correspondre à un pouvoir de consommation, donc de plaisir, ne correspond pas, c'est visible à tous les coins de rue, à une valeur de bonheur. Nous savons pertinemment qu'il peut y avoir un bonheur extraordinaire à sacrifier, même une part de son existence, combien plus des biens matériels, pour son frère, pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants. Les valeurs de l'Évangile, elles sont un peu battues en brèche. Et les valeurs humaines, humanistes, qui sont tirées, droits de l'homme, on ne va pas refaire l'histoire, mais les droits de l'homme, c'est un peu les valeurs de l'Évangile, quoi, dans notre société judéo-chrétienne. Voilà, tout ça est un peu battu en brèche par la recherche de la rentabilité, la recherche de l'argent, tout ce qui est individualisme, parfois le communautarisme, voilà, tout ce qui renferme les gens les uns sur les autres, où la personne ne pense qu'à soi, qu'à elle. Et voilà, donc, je veux dire, un policier, il a une mission, service public, il doit faire régner la paix, il doit faire en sorte que chacun puisse vivre au sein de la société du mieux possible en étant respecté. Le nombre de flics vraiment racistes, fachos, comme on dit, c'est pareil que dans la population à peu près. Seulement, le problème, c'est qu'ils ont un pouvoir. Et quand il y a dans une équipe, on est une patrouille, il y a 4-5 bonhommes, il suffit qu'il y en ait un qui soit dans la dérive, les autres suivent, couvrent et font et signent des rapports mensongers. Il est vrai qu'il y a dans les corps de police, des fois, une espèce d'omerta. Et celui qui a le malheur de dire quelque chose, c'est lui qui se retrouve un peu mis à l'écart. Moi, j'ai connu une patrouille complète qui a terminé un cambriolage. C'était sur Poissy, les gars, ils étaient 4. Un cambriolage a lieu, le gars s'en va, bon bref. Les gars sont revenus à 3h du matin, parce qu'évidemment, ils avaient fait les constatations 2h avant. Ils savaient où était la porte cassée. Hein. Et ils y sont allés pour aller piquer, à l'époque, c'était des premiers CD, un magnétoscope, et puis rien, trois fois rien. Le seul qui a réagi, ah ben non, c'est pas bien, c'est un jeune stagiaire, qui lui est resté au volant de la bagnole. Il n'a pas eu le courage de dire, les mecs, c'est pas bon, moi je me casse, démerdez-vous, je veux pas être là, je veux pas être avec vous. Il n'a pas non plus dénoncé. Il n'a pas appelé par radio en disant « Attention, j'ai des collègues qui rentrent. » Ce qui fait que le lendemain matin, quand on a appris par un voisin que les flics étaient rentrés à nouveau et sortis avec des sacs, on a fait une enquête et puis on a trouvé le poteau rose tout de suite. Donc les 4, 3 en prison et puis un autre qui a été mis en examen. Ce qui fait que les 4 ont été virés. Donc lui, il avait 8 mois de police. C'était un jeune gardien de la paix, stagiaire. Pour tout policier et pour les policiers chrétiens en particulier, je crois que quand on voit effectivement des collègues qui perdent leur sang-froid, qui perdent leur nerf et qui commettent des actes inexcusables,
ils entachent toute la profession et c'est vrai que c'est douloureux pour nous parce qu'en fait, c'est tellement difficile d'obtenir l'adhésion de la population, c'est tellement difficile de montrer qu'on est juste, honnête et qu'on fait notre travail consciencieusement. Il suffit d'un seul qui dérape et le doute est mis sur tous les autres. Moi, j'en ai vu à l'école de police, où des jeunes, on sent pertinemment qu'ils sont rentrés là parce qu'il y a cette notion de pouvoir sur les autres. C'est une notion d'autorité. C'est pas une autorité pour le bien de la justice ou pour le bien. Ou... Moi, c'était plus pour connaître un petit peu les choses de l'intérieur. Mais sans mauvais jeu de mots par rapport à notre ministère. Mais sinon, là, c'est plus de l'autorité. Ce sont des gens qui vont être sur la voie publique et qui vont avoir du pouvoir sur les autres. Ils ont le pouvoir d'arrêter une voiture et d'emmerder le mec, le conducteur, jusqu'à plus soif. Et moi, j'en vois encore. Je vois des attitudes de contrôle. J'ai soufflé récemment, là, en bas de chez moi, au ballon. Il fallait voir l'attitude du mec qui m'a fait souffler. J'ai envie de lui dire, mon petit gars, attends, t'es à côté de la plaque. J'ai dit, comment peut-on être crédible auprès des gens ? Il pourrit la profession. Et ce que je regrette, c'est que les officiers qui étaient là avec lui n'aient pas un petit peu réagi en disant, attention, on n'est pas là pour faire du cinéma, on est là pour faire un contrôle routier. N'opposons pas les jeunes et les vieux. Pour moi, une composition idéale d'un commissariat, c'est avoir de tout. Des grands, des petits, des gens qui sont à l'aise dans le contact, des gens qui sont à l'aise dans la recherche, de tous les âges. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter d'envoyer des jeunes seuls. Mais les jeunes en eux-mêmes, ils sont pas mal. Ils y croient, ils en veulent, ils bougent. Mais il faut qu'ils soient encadrés, effectivement, par des policiers qui aient plus d'expérience. Parce qu'effectivement, quand vous avez l'expérience, eh bien, vous désamorcez plus facilement un certain nombre de crises. Je crois aussi que ce qui est important, c'est que les gens aient confiance en eux. Vous savez, les policiers qui parfois commettent des actes de violence, d'abord parfois on n'a pas le choix, on est souvent attaqué donc il faut se défendre, mais parfois la peur peut être aussi mauvaise conseillère. Et quand vous avez des policiers qui sont plus aguerris, plus expérimentés, comme ils ont moins peur, eh bien du coup les choses se passent mieux. Les policiers qui sont amenés à travailler dans certains quartiers peuvent fréquemment rencontrer la peur. À Police et Humanisme, on a été parmi les premiers policiers à réfléchir sur la peur. C'était il y a bientôt 15 ans. On a réfléchi sur la peur du policier à une époque où on pensait qu'un policier ne pouvait pas avoir peur, qu'un policier n'avait jamais peur, parce qu'un policier est rarement seul, parce qu'un policier est armé, parce qu'un policier représente la loi, représente l'autorité. Malgré tout, un policier est un homme et un policier peut avoir peur. Le meilleur moyen de lutter contre cette peur, c'est d'une part effectivement de faire en sorte qu'il ne soit pas isolé, mais surtout qu'il soit bien formé et qu'on ne lâche pas dans des quartiers difficiles, dans des endroits dangereux, dans des endroits difficiles, des jeunes policiers inexpérimentés. Les bacs en tenue, c'était surtout pour aller dans les cités, pour mater les fameuses racailles et qu'il fallait passer au Karcher. Donc, y avait cet état d'esprit de vengeance. C'était plus de la police, c'était de la milice. C'est la vengeance de la société. On va venger la société, on va les attraper, on va leur faire la misère, ils vont comprendre. C'était, en fait, régler les problèmes de manière d'un voyou. Et après, on dit, y a des policiers qui morflent. Des policiers qui n'y sont pour rien. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur patrouille dans une cité qui est un peu sensible et ils se font, ils se prennent en guet-apens. Mais pourquoi ? Parce que la fameuse BAC avec les mauvais éléments qui est venue, qui les a insultés, qui les a humiliés, ou qui a foutu un outrage rébellion à un de leurs copains qui a pris 3 mois ferme derrière alors qu'eux, ils ont été témoins qu'il n'avait rien fait, ils disent on va leur faire payer. Mais on va faire payer à qui ? À du bleu marine qui arrive. Voilà. Et le bleu marine qui arrive, moi j'ai vu des jeunes flics avec de très bonnes mentalités débarquer dans une cité et se faire caillasser. Ces mecs qui avaient une bonne mentalité, quand ils rentraient, ils disaient « Non mais ils ont raison les autres, ils ont raison, il faut y rentrer là-dedans avec les chars quoi ». Donc la spirale, on prend dans la cité des jeunes qui sont hyper récupérables,
on les met dans le camp des irrécupérables. Chez les flics, des flics qui ont bonne mentalité, on les met chez les mecs qui ont les mauvaises mentalités. Et tout ça, au jour le jour et année après année, ça fait, on en arrive à un système qui devient grave, quoi. On fait une guerre, on leur fait la guerre, il y a la haine. Moi, la police, aujourd'hui, pour moi, c'est une bande contre une autre bande. Tant qu'on ne sortira pas de ça, l'humanisme ne pourra pas s'insinuer là-dedans. Moi, je trouve que c'est une vision qui est assez caricaturale. Les policiers n'appartiennent pas à une bande. Voilà. Ils ne sont pas régis par des codes tribaux. Ils font leur métier. C'est un métier. C'est pas pour rire, c'est pas pour être le plus fort, c'est un métier. On recrute des gens qui ont un profil psychologique stable. Il y a des tests psychotechniques qu'on rentre chez nous. On détecte les gens qui ont des tendances à la violence excessive ou des gens qui n'ont rien à faire chez nous. Chaque année, la police nationale expulse de ses rangs une centaine de policiers qui n'ont pas un comportement qui est convenable avec, avec la déontologie et puis le travail qu'on veut faire. Nous travaillons beaucoup au niveau de la formation initiale, de la formation continue, sur le discernement. Maintenant, la police est là pour tenir la rue. On est là pour se faire respecter, pas en tant que tel, mais en tant que représentant de l'État. Si une bande de voyous a décidé de s'installer à un endroit et de faire régner la terreur, alors oui, c'est notre métier de leur dire « allez-vous-en » ou de les arrêter. Et s'ils se laissent arrêter gentiment, les choses se passent bien. Sinon, naturellement, il y a un recours à la force, qui est une force parfaitement légitime. Quand on est en situation de tension très forte, c'est-à-dire en phase préliminaire immédiate au conflit, quand les deux adversaires se regardent droit dans les yeux, je pense bien sûr à notre guerre des tranchées peut-être de 14-18, mais aussi tout simplement à des événements qui peuvent se dérouler dans nos banlieues de villes, citadines, où face à face on se trouvait deux forces, des forces de jeunesse débridées qui sont soumises à des pulsions de violence ou des manipulations aussi peut-être, hein. Et puis en face des forces de sécurité. Nous avons besoin d'une immense maîtrise. Nous sommes habitués à nous maîtriser et donc à ne pas réagir instantanément avec nos pulsions, mais à répondre rapidement avec aussi ce qu'on appelle la prudence, l'intelligence de la situation, une sorte de maîtrise de soi intérieure, voire physique. Nous serons bien plus prêts, au moins à titre personnel, à utiliser, à faire acte de violence dans le cadre d'une légitime défense. C'est une phrase qui me plaisait bien et qui était très juste. Ce qu'on appelle l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Je me dis là, nous on a l'ordre de la loi, on a la force de la loi, mais on doit appliquer de façon légitime la force qui nous est autorisée. Je me dis si ça on n'a pas retenu, eh bien on ne peut que commettre des erreurs. On a créé des quartiers où il y a une extrême pauvreté, où il y a des jeunes qui sont énormément touchés par le chômage. Et pour s'en sortir et pour lutter, l'économie souterraine s'est développée. Et en fait, le policier, bien entendu, il est là pour lutter contre cette économie souterraine, il est là pour lutter contre cette délinquance. Et forcément, il n'est pas bienvenu dans le quartier parce que quand il vient, il vient pour arrêter des auteurs de délits. Mais c'est effectivement un problème qui dépasse le policier. C'est un problème de société, c'est un problème d'économie, hein, de chômage, de trafic divers. Mais le policier, son rôle, son travail, c'est de lutter contre le trafic. Le sentiment d'insécurité qu'on a octroyé aux citoyens qu'on classe dans la catégorie des bons citoyens. Parce que c'est cela, hein, parce que le sentiment d'insécurité qu'il peut y avoir dans un qui est stigmatisé, un citoyen stigmatisé des cités, on s'en fout complètement. Donc, on a octroyé ça aux citoyens qu'on considère bien. Par contre,
à l'inverse, il y a les jeunes des cités qui ont un sentiment d'injustice. Je ne sais pas si c'est de l'injustice ou, ou si c'est seulement le sentiment, mais c'est exactement du même niveau que pour l'insécurité. Je ne sais pas s'ils sont vraiment en insécurité ou si c'est un sentiment. Mais quand on accorde un sentiment d'insécurité à un, pourquoi on n'accorde pas le sentiment d'injustice à l'autre et qu'on ne fait pas des choses pour que ce sentiment d'injustice recule, comme on a fait pour faire que le sentiment d'insécurité recule? Il y a toujours deux poids et deux mesures. Tant qu'on fera deux poids et deux mesures et tant qu'on fera une discrimination permanente sur les mêmes, on ne pourra pas faire avancer le problème. Je crois qu'il faut se méfier des impressions qu'on a. Alors je vais peut-être vous étonner, vous choquer, j'en sais rien, mais je n'ai pas du tout le sentiment, mais pas du tout, qu'on est dans une société qui est plus violente qu'avant. Je pense même que la société, elle est moins violente qu'avant. Ce qu'il y a, c'est que le ressenti qu'on peut en avoir est différent. Quand vous regardez un petit peu les journaux, la télévision, vous avez l'impression que ça tire de partout, que les gens sont armés, que les mômes de 12 ans ont des fusils d'assaut entre les mains et tirent sur tout ce qui bouge. Bien, c'est une impression. Ce sont des faits. Ça existe, naturellement. Eh bien, prenez le nombre d'homicides avérés que nous comptons toujours de la même façon. Si on reprend dans les années 90, 1990, il y a à peu près 1500 homicides par an en France. Ce qui est relativement peu, d'ailleurs. Sur les années un peu plus tard, pendant 10 ans, jusqu'en 2007, ça baisse et c'est stable. Et on reste stable à peu près 1000 homicides par an. Et cette année, l'année 2009, il y a eu 680 homicides en France. C'est-à-dire que 2009 a été l'année la moins importante en termes d'homicides dans les 17 dernières années. Et objectivement, à chaque fois que je sors, c'est toujours les mêmes chiffres de la même façon, eh bien ça étonne tout le monde. C'est pourtant la vérité. Je pense que la police a un déficit, souffre d'un gros déficit de communication et que on ne devrait pas avoir de difficultés pour communiquer sur notre travail, sur notre métier. Je pense qu'effectivement, les journalistes à trop rechercher de sensationnel, quelquefois à trop vouloir donner du sensationnel à la population, perdent un peu de vue le travail du policier. On subit cette image, on subit la dévalorisation. Quand on parle de ripoux, ah ben ouais, encore des ripoux. Quoi qu'il arrive, la première chose qui est dit, ah, une bavure à tel endroit. On ne sait pas encore ce que c'est. On sait qu'il y a eu un coup de feu. On ne sait pas si c'est la légitime défense. On sait pas. Mais tout de suite, il y a 20 ans, on n'aurait jamais osé dire ça. On aurait dit, ah, intervention de police, il y a eu ci et ça. Et c'est après qu'on voit s'il y a eu bavure ou pas. Alors que là, maintenant, c'est systématique. La police est en cause. Même si c'est une bonne cause, même si le geste est juste, automatiquement on parle de bavure. Et moi, ce qui me fait mal, c'est comment se fait-il, je suis allé en Angleterre et en Belgique, comment se fait-il que les policiers français soient aussi mal aimés, ne soient pas respectés et qu'ils soient obligés d'être à 15 dans une patrouille pour être sûr de ne pas être emmerdés. En Angleterre, le Bobby, il est dans son quartier, il n'y a personne qui s'adresse à lui de façon désagréable, il n'est pas armé, il a juste une matraque ou un tomfa, et il n'a aucun problème avec la population. Au contraire, les gens s'appuient sur lui pour dire que tout va bien dans le quartier, dans le truc. Je vois à Lourdes en cours cette fois-là, mais c'est chaque fois pareil pour le PMI. Quand on apporte ce cierge énorme hein, qui fait 2 mètres là, qu'on met à la grotte pour les policiers victimes, hein, pour tous les policiers victimes, croyants ou non, bien sûr, quoi, et on pose ça à la grotte et on prie. Alors quand on traverse avec la bannière de Saint-Martin en tête, on traverse la foule sur l'esplanade de Lourdes, il y a des gens qui applaudissent quand on est applaudi là. Voilà, et ça fait chaud au cœur des policiers, quoi, ça change des cailloux et des réfrigérateurs qu'on leur jette depuis les toits des immeubles. Hein. Tous les pays ont une police. Tous les pays ont besoin d'une force de sécurité intérieure qui permette aux gens de vivre à peu près en paix. Mais la police en soi, c'est pas bon ou mauvais. Elle n'est pas gentille ou méchante. Elle n'est que le reflet d'une société et d'un modèle politique. Donc dans une société démocratique, votre police est démocratique. Dans une société totalitaire, votre police est totalitaire. C'est pour ça qu'en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. On aime ou on n'aime pas la police. On a, je crois qu'un pays a la police qu'elle mérite. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le policier, il accomplit ce que la loi lui ordonne de faire. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise,
ce pourquoi a été élu président de la République est fait. C'est-à-dire, c'est le tout sécuritaire, c'était prévu dès le départ. Donc, je veux dire, les citoyens après, enfin, les policiers, j'allais dire, ils font que ce que la majorité du peuple leur demande de faire via les politiques. Moi, je suis policier depuis 1981. J'ai donc eu des ministres de l'Intérieur de droite, de gauche, des présidents de la République de droite, de gauche, avec des politiques qui ont bien sûr changé. Eh bien, en fonction des politiques, on s'adapte. On obéit aux instructions qu'on reçoit d'autorités qui sont des autorités légitimes. Ce n'est pas aux fonctionnaires, ce n'est pas au directeur général de la police nationale de dire « ça, c'est bien de faire ci », c'est aux gens qui ont été élus. C'est le fondement de la démocratie. Le pouvoir appartient au peuple et à ses représentants qui ont été élus. Donc quand les députés votent une loi qui a une loi, eh ben, elle doit s'appliquer. Et nous l'appliquons. Alors après, l'homme que je suis, le citoyen que je suis, l'homme qui vote que je suis, peut être pour ou peut être contre une loi, mais le policier n'a pas d'autre choix, et c'est une évidence, que de l'appliquer. Et puis c'est tout.